Après l'apparition en 1916 du phosgène, un gaz suffocant, arrive le tristement célèbre gaz moutarde. C'était dans le secteur d'Ypres en juillet 1917, d'où son nom, Ypérite. Pendant la Grande Guerre, l'arme chimique a été utilisée en quantité énorme. 120 000 tonnes de produits toxiques déversés sur le front, quelques 45 agents chimiques sont testés, ils font, dans les deux camps, 91 000 morts et plus d'un million de blessés. Après l'armistice, tous les belligérants déclarent que ce cauchemar ne devra jamais plus se reproduire. Pas de désarmement sans confiance, pas de confiance sans contrôle, pas de contrôle qui ne soit international. Ce sont les 200 inspecteurs de l'OIAC qui ont prouvé le caractère chimique de l'attaque, eux encore qui répertorient les cuves qu'ils devront détruire. Our work in Syria is not yet finished. It's of grave concern that we continue to see reports of the use of chemical weapons. Such use of chemical weapons has been universally condemned. The international community has unanimously called for the perpetrators to be brought to justice.